Aujourd'hui, on demande un renouvellement de 57 camions feux de forêt et un recrutement d'effectifs suffisant pour pouvoir continuer à travailler. Il faut savoir que depuis 2003, on est 673 pompiers professionnels et on n'a jamais évolué en termes d'effectifs alors que nos interventions, elles, ont augmenté de 20%. On a mis la vente de la caserne de Nîmes sur le bon coin. Et donc on a délocalisé la caserne ici, tous les pompiers du département sont en grève et voilà, nous symboliquement on l'a mise en vente pour essayer de dire au conseil départemental ben, on va vous récupérer de l'argent puisque vous ne voulez pas nous en donner pour renouveler nos camions et nous donner des effectifs. On est devant chez le préfet parce qu'on est aussi victime d'agression et donc on le sollicite pour qu'il puisse répondre à, en tout cas assurer notre sécurité en tout lieu et en toute heure puisque nous on intervient partout. Donc voilà, on demande au préfet aussi de prendre ses responsabilités pour qu'on puisse travailler dans des conditions correctes.